Il y a la vidéo qui est là. Attention, zéro humilité, zéro modestie, qui s'appelle l'ascension d'un prodige du gaming. Au début, je me suis dit, ça va être que du foutage de gueule. Donc du coup, c'est Tom's qui a 50 abonnés. On va aller voir ça. Remember it. Bon, il en fait un peu too much, je vous le dis un peu, mais bon, c'est drôle. Vidéo. Au début, quand je l'ai regardé, tout le début, j'ai dit ça va être du gros foutage de gueule. Je pensais que ça allait être du second degré absolu. Parce que vous allez voir, toute la première partie, je me suis dit, il va se foutre de ma gueule, ça va tomber. Quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai fait, oh, c'est sympa. Et c'est là que j'ai mis les petits cœurs en commentaire, tu sais, sans regarder. Et après, j'ai continué à regarder. Et j'ai dit, oula, je vais peut-être enlever les petits cœurs en fait. Parce qu'il se fout de ma gueule, ce fils de. Et en fait, non, après, ça redescend. Donc vous allez voir, il y a un moment, c'est tellement gros qu'on dirait du second degré. Et puis au final, non, c'est du premier degré. Celle et la passion se rencontrent pour façonner des légendes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable épopée d'un prodige du gaming, un maître du skill et un pionnier du contenu vidéoludique. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de 6-4 ou le proviseur pour les intimes. Un joueur professionnel et vidéaste hors pair dont le parcours est jalonné de succès, de défis et de moments inoubliables. De ses premières parties sur console rétro à ses exploits sur la scène compétitive internationale, 6-4 a conquis le cœur de millions de fans grâce à... Tu vois, là, c'est quand il a utilisé le mot mignon, j'ai commencé à me dire, il se fout de ma gueule ou quoi? J'ai 200 000 abonnés. Son talent exceptionnel, son charisme irrésistible. Dans cette vidéo, nous allons retracer son voyage extraordinaire. Et là, quand il tousse derrière avec charisme irrésistible, tu sais, j'ai fait, ah ouais, il est venu là pour me défoncer. De ses débuts modestes à sa consécration en tant que l'un des créateurs les plus influents de sa génération. Accrochez-vous bien, car l'histoire de 6-4... Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il va m'en balancer plein la gueule, en fait. Il met une image d'interprétation, accrochez-vous bien, un pédophile en train de passer la serpillière, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'autre? C'est une aventure palpitante, marquée par des victoires éclatantes, des revers dramatiques et une détermination sans faille. Que vous soyez passionné de jeux vidéo ou simplement curieux de connaître les dessous de la carrière d'une icône du gaming, cette vidéo vous promet des révélations surprenantes et des anecdotes exclusives. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par la magie du récit et découvrez comment un joueur ordinaire est devenu une légende vivante. Voici l'histoire de 6-4 de A à Z. Et quand j'ai vu ça, même le Z, 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 j'ai fait, je vais en prendre plein la gueule. Et en fait... Non. Donc ça, c'est moi, ça. Et ça, c'est moi au Pérou. Ça fait bizarre, hein, avec des veuches et tout. J'étais parti en trek, tout seul. Je me faisais chier un peu. Et j'étais parti tout seul. Et là, autour de moi, il y a 3 chiens. Parce que le park ranger, il avait pas envie de venir avec moi, mais il m'avait dit, ouais, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Partez avec mes 3 chiens, ils connaissent la route. Hein. Et les 3 chiens m'ont accompagné. Ils sont juste à côté, là, sur la vidéo, on la voit sur YouTube. Benjamin Leray, alias 6-4, est un streamer, ancien joueur compétitif et vidéaste français, né le 29 février 1984 à Saint-Nazaire. En 2017, après une carrière riche en émotions dans l'e-sport sur CS et R6, il se lance dans la création de contenu sur Twitch et YouTube. Le tout premier jeu... Et ça, c'est la frag movie, la moins 3, c'est sur Plane. Et à la fin, j'ai fait un zoom sur le truc que Kanto Rakete doit mettre en disant « Yeah, sure ». C'est genre, il pensait que je cheatais. Contenu sur Twitch et YouTube. Le tout premier jeu auquel il a joué est Dunk Hunt sur la NES. Non, c'est pas vrai. Ma mère avait acheté un truc à un moment. Le tout premier jeu, je pense, c'était sur le PC que mes parents avaient acheté. Mais c'était un PC, ça marchait avec des cassettes, là. Et ça, ça devait être l'un des premiers jeux. Et l'un des jeux dont je me rappelle, qui était à la même période, c'était Pyjama Rama. C'était ça, donc c'est vieux quand même. On est en 1986. Donc celui-là, je m'en souviens. Alors est-ce que j'y ai joué en 86? Ça m'étonne quand même. En règle générale, les souvenirs commencent à les avoir quand on a vers 6 ans. Donc ça devait être dans les années 90, mais je m'en souviens très bien de celui-là. Donc la NES, c'est la première console que j'ai. Donc c'est la première vraie fois, quoi. Mes parents, ils avaient un PC, mais bon, les jeux, c'était de la daube. Et puis c'était un PC pour travailler. Et après, le vrai console, c'était la Nintendo. Et quand t'achetais la Nintendo à l'époque, t'avais deux jeux en fait. T'avais Mario Bros. Et sur la même cartouche, t'avais Duck Hunt. Donc en vrai, ouais, c'est le premier jeu console auquel j'ai joué. Ah, c'est pas vrai en vrai. Le premier jeu console auquel j'ai joué, c'est Space Invaders sur Atari. Mais j'ai jamais eu d'Atari. J'ai eu la première et seule console que j'ai eue, c'était la Nintendo, la NES. Mais avant, il y avait l'Atari, il y avait du Space Invaders, il y avait pas Pong. Mais Space Invaders, c'était un ami qui avait ça. C'était une révolution à l'époque. De pouvoir connecter un truc à une télé, c'était un truc de ouf quand même. Donc c'était plutôt ça, le vrai premier jeu. Aux différentes consoles de chez Nintendo, NES et Super Nintendo. Ça,
c'est vrai. De passer sur la PlayStation, ça, c'est puis vrai. La PS2 à sa sortie. Ça, c'est vrai. Sur la fin de la PS2 qu'il découvre les salles de jeux en réseau. C'est à vrai. À la fin des années 1990. La salle de jeux en réseau même, c'était Diff Intel Micro à La Flèche dans le 72. Non, étant donné que j'étais au lycée militaire à l'époque et que j'habitais loin, ça me faisait chier de rentrer les week-ends. Et en fait, dans les lycées militaires, déjà, tu as des cours le samedi matin et t'es obligé de rentrer puisque tout le monde est interne le dimanche soir. Donc déjà, bon, sachant que c'était à La Flèche, donc c'est 72 dans la Sarthe et que mes parents habitaient à Poitiers, donc en train et en bus, bon, c'était trop casse-couille. Donc il y a eu un moment où en fait j'ai fait ouais vas-y, je préfère rester les week-ends là-bas à faire le con. Et donc il y avait certaines personnes qui restaient les week-ends et qui allaient au bar, voilà, je sais plus, on est en seconde donc on a quel âge, 15 piges, qui allaient au bar à 15-16 ans boire des Malibu Coco. Et on était 5-6 à aller en salle de jeux en réseau avec tous les jeux qui dataient de l'époque, dont forcément un, c'était Half-Life. Et après du coup il y a eu un mode d'Half-Life qui est sorti qui était un DLC. T'achetais la donne, c'était Opposing Force. Et après Opposing Force, il y a eu un mode qui était Counter-Strike. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, du coup, Internet, ça n'existe pas. Pas assez pour télécharger, nanana. Pour avoir la dernière version de Counter-Strike, t'es obligé d'aller au PMU, d'acheter un magazine qui s'appelle Joystick. Et tu téléchargeais et tu jouais à la première version de Counter-Strike. Et moi, j'ai joué à la première version en vrai. Celle où, je sais pas moi. La M4, elle avait un silencieux que tu pouvais pas enlever. Bon, après, ça a changé. Et puis, voilà. Et elle avait un zoom. Il n'y avait pas d'AWP, il n'y avait pas de stéréo, il n'y avait pas tout ça. Et la première map de Counter-Strike auquel j'ai joué, ça, je sais pas pourquoi, je m'en souviens toujours, mais c'était celle qui était en haut dans la liste, c'était CS747. Sur les jeux de type FPS, tactique, notamment avec Half-Life et son mode Counter-Strike, sorti en 1998, ainsi que R6, sorti le 1er décembre 2015. Alors, R6 siège, il y a eu 16 ans qui vient se prendre dans la gueule. Ça, déjà, la vidéo, je pense, c'est 2014, ou 2015. Et il y a un truc à rappeler, Rainbow Six, c'est pas 2015, Rainbow Six, c'est 1998. Rainbow Six, c'est un jeu de ouf, qui était fait par Red Storm Entertainment, donc rien à voir avec Ubisoft. Ils avaient la licence Tom Clancy, et Ubisoft, du coup, a racheté le package, racheté le studio, et en rachetant le studio, du coup, ils ont racheté la licence Tom Clancy et de facto Rainbow Six derrière. Ça a surtout commencé avec Rainbow Six, et avant de commencer avec le jeu Rainbow Six, ou au même moment, j'ai commencé à lire les livres de Tom Clancy, à m'apercevoir avant les modifications d'Ubisoftienne, quoi, d'en faire qu'à leur tête. Tom Clancy, c'était énorme. Il y avait plein de films qui sortaient qui étaient du Tom Clancy, genre La Somme de toutes les peurs, c'est du Tom Clancy, Jeu de guerre, c'est du Tom Clancy, Danger immédiat, c'était du Tom Clancy, plein de trucs avec Harrison Ford à l'époque, qui était. Donc il y avait vraiment un gros truc sur Tom Clancy. Et moi le truc c'est que je joue à Rainbow Six et je me dis mais le jeu est exceptionnel, c'est un jeu de ouf en 98. Mais on se rend pas compte, mais c'est quelques années après que je me rends compte qu'au final Tom Clancy c'est un romancier et que il y a un livre. Il a mis un ou deux ans ou trois ans peut-être à arriver en France pour être traduit. Et je me suis dit putain la vache le livre. Et avec Rainbow Six le livre, du coup j'ai commencé à vraiment kiffer Tom Clancy au final. Donc c'est tout un tout qui a fait que après derrière dès qu'il y avait un nouveau Rainbow Six qui sortait, hein, en règle générale tu testes quoi. Et faut pas dire le contraire, hein. Jusqu'à Rainbow Six Vegas, c'était quand même un truc de ouf. Je pense que l'un des derniers jeux que j'ai réellement saigné sur PS2, c'était Final Fantasy VII. Et je me souviens, c'était la première fois que je passais, genre, c'était énorme à l'époque, genre 40 heures sur un jeu, quoi. D'où vient son pseudo ? Dans sa jeunesse, 6-4 rêvait de devenir pilote d'hélicoptère. Je dis pas que t'es vieux, hein. T'as juste... Ah, je vais mettre un dislike. C'est l'âge de ma mère, mais... Enfin bref. Eh ben justement, parlons-en de ta mère. C'est tout naturellement que Siskat a choisi 64 de l'hélicoptère AH. Mais pourquoi le... Ah, naturellement. Un très joli McDonnell Douglas AH64 Apache. Voilà, c'est tout. Hein. À la base, mon pseudo, c'était Benji64. XX Benji64. Oh, ça a dû arriver. Non, non, mais vraiment. À la base, c'était AH Benji64. Puis c'est devenu Benji64. Puis c'est devenu -64-. Le chiffre. Donc, il y avait un côté un peu comme ça. C'est l'esprit Skyrock, début des années 2000, Skyblock. Voilà quoi, tout le monde veut devenir un rappeur, un peu comme vous aujourd'hui. Ce qui se passe, à un moment, je crois que c'était la LR Games, et il me semble que c'était à Cholet, 2005-2006, et je sors pour aller récupérer mon matos dans ma Twingo jaune fluo, la première voiture, et donc tu vas ramener ton matos, ton écran de 39 kilos, hein, voilà, tu ramènes ton truc et tout, et il y avait un mec qui était un peu connu, qui était un très bon joueur, qui s'appelait Dresch, et lui c'était un peu un troller, quoi, il trollait souvent, machin, truc bidule. Quand j'arrive au poste en disant bonjour, voilà, c'est moi, 64. Je viens pour prendre le ticket et tout, machin. Vous allez chercher vos affaires et quand vous revenez avec vos affaires, on vous donne le tampon sur le truc. Je pars, je vais chercher mes affaires, je reviens et ce mec-là, du coup, pour se la raconter au final auprès de la personne, l'autre lui demande, ah bah attends, je suis en train d'écrire son nom, c'est quoi son pseudo? Et le mec, au lieu de dire 64, dit 64, comme on aurait dit 93. Donc c'était du troll, en fait. Et le mec en face, le mec se gourre et écrit en toutes lettres, S-I-X-Q-U-A, alors qu'à la base, c'était
64- tout simplement, c'était ça le pseudo. Et c'est resté. Au fur et à mesure des compétitions e-sport et rencontres autour du jeu vidéo, 6-4. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 6-4 était loin d'être un cancre. Car après son baccalauréat, il s'oriente vers une filière commerciale et entre à l'Institut des hautes études économiques et commerciales où il obtient un master en management et marketing opérationnel. Ses études le mènent à exercer la avec un petit passage par une école qui s'appelle Saint-Cyr Quatquin. Fonction de marketing manager. Voilà, je m'autosuce. E-sport. C'est vrai. Pendant 4 ans chez Gameloft, c'est vrai. Il organise des compétitions sur leurs jeux mobiles en France et à l'étranger. C'est après vrai. Son incroyable carrière de joueur compétitif sur Counter-Strike. Non, je n'ai jamais eu d'incroyable carrière en tant que joueur compétitif sur Counter-Strike. J'étais immature, je ne savais pas me remettre en question et pour moi c'était jamais de ma faute. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je suis revenu après le tour du monde et après des années, parce que j'avais 30 piges sur R6, j'ai fait ouais non là en revanche je sais ce qu'il faut faire pour être bon. Il se lance sur R6 dès sa sortie en décembre 2015. C'est vrai. Quelques mois, la structure Youngtis remporte le titre de champion du monde. Il rentre ensuite chez Penta Sports où il jouera avec des grands noms tels que Jonas et Pengu. Il manque de peu une qualification en Six Invitational c'est en vrai. 2017, en ne finissant que vice-champion d'Europe lors des qualifications. Retournant dans une équipe française, il tient à aider au développement de R6 en donnant sans contrepartie financière et sans salaire Youngtis à Webedia pour aller chez Millennium Team. C'est il vrai. Gagne plusieurs compétitions nationales dont la Gamer Assembly de 2017 avant de prendre sa retraite de joueur compétitif pour se consacrer à la création de contenu sur YouTube et Twitch. Et il se lance sur Twitch et YouTube en tant que joueur compétitif sur le jeu PUBG. C'est vrai. Il vient de sortir le 23 mars 2017. À la base, je veux pas du tout faire de Rainbow Six. Genre zéro. Juillet 2017, pour moi, c'est bon. J'ai fait le tour de Rainbow Six. Je veux plus jamais en entendre parler. C'est bon, j'ai fait le tour. J'ai gagné la plus grosse compétition sur le jeu. J'ai gagné la Gamer Assembly. Pff, on avait fait des tops dans genre au top 4. Enfin, les Coupes de France, les machins, les trucs, les bidules, quoi. J'ai fait, c'est bon, j'ai fait le tour, en fait, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Et puis, parce qu'au final, 3 mois avant, il vient de se passer la Six Invitational, sur lequel on termine que vice-champion, et qui était pas terrible, en fait. Par rapport à la Pro League, j'ai fait, ouais, bon, c'est bon. J'avais 50 viewers. Et ouais, je voulais absolument devenir. J'avais commencé à me dire, ouais, vas-y, je vais essayer de faire un truc et tout. Et pendant un mois et demi, j'ai fait que du PUBG. Et j'avais mes 50 viewers. Mais devant la demande constante de nombreux spectateurs de le voir jouer à R6, il repasse sur le jeu, en souhaitant aider à sa manière les personnes à devenir meilleures. En avril 2019, il fait... Ah, c'est parce que je lance Rainbow Six, et le premier jour où je lance Rainbow Six, j'ai 380 viewers. J'en souviens encore. Quoi ? Mais quoi, Six ? T'as le même t-shirt qu'il y a 4 ou 5 ans ? Ouais, bien sûr, ouais. Mais il tient bon, celui-là. 10 ans après ! Mais c'est pas 10 ans, frérot. Ça, c'était en 2000... Là, il y a le chat qui est à gauche. Ça, mec, là, c'est juste que je suis pas rasé, enculé. Ça, c'était au début de l'année. Il y a plus de place, machin. T'es con ou quoi ? Je le vois par rapport au passage du t-shirt. Là, tu vois, il est bien passé, là, le t-shirt. J'en ai un gris bien passé. Après, j'en ai 2 bleus, les mêmes. 2 roses, 2 blancs. J'ai pas de noir, parce que j'aime pas les noirs. Oui, je suis raciste. Qu'on raciste ? Oui. L'idée de la Salty Academy est née de la volonté de créer un lore autour du personnage de 6-4. Proviseur de son campus, il enseigne à ses étudiants à l'aide des membres de la direction et l'ensemble des pôles du campus. Il crée des événements, du contenu sur différents médias et réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram ou encore Twitter. Oui. Le nom Salty est venu naturellement puisqu'il caractérise parfaitement le côté sarcastique de 6-4. Oui. Aujourd'hui, 6-4 est une figure incontournable du monde des jeux vidéo. Avec 160 incontournable. Vous avez entendu ? Vous devriez tous vous sub. 1 000 abonnés sur YouTube et des milliers de spectateurs sur Twitch. Genre le milieu. Twitch. Il continue de partager sa passion et son expertise. Son parcours est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs qui rêvent de faire carrière dans le gaming. Merci infiniment d'avoir gardé cette incroyable histoire de 6-4 jusqu'au bout. Oui. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et souvenez-vous, croyez en vos rêves. Ciao. Bon bah voilà les gars, vous êtes allés vous abonner ou quoi ? Non, 50 abonnés, hein. Allez vous abonner. Hein. En vrai c'est propre, VF6 c'est trop positif pour moi. Bon voilà, n'hésitez pas du coup YouTube, liker, tout ça, commenter, en avant quoi.